السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ادعم نفسك بنفسك، وفيديو جديد من فيديوهات المتعلقة باللغة الفرنسية. صفحة الفيديو ديال اليوم غادي نخصو على الصفحة 89، لو مانيوال باركور. هنا سيبور 2، هنا فيه واحد لو تكست والكومبريونسيون ديالو. سبق لنا شفنا في الفيديو السابق، شفنا لو سيبور نيميرو 1. ندعو على بركة الله. Un jeune Afghan a subi une surprenante opération. يعني واحد الشاب أفغاني دار واحد العملية غريبة أو مختلفة. Menée par des chirurgiens allemands. يعني قام بها جراحون ألمان. Le patient, هو المريض, de 24 ans, avait été admis à la clinique universitaire d'Aix-la-Chapelle pour des maux de tête, des troubles visuels et des écoulements du nez. Le mari de l'Omar Diallo Bachinsena, de la clinique, Jamiri, Aix-la-Chapelle, Sodaf Ras, ou Machakil Fnadar, ou un Dusayelen Flenf. En passant son crâne au scanner, ni 12 ras diallo scanner, les médecins ont décelé la présence d'une ombre caractéristique d'un corps étranger. Ni dazm scanner, l'atibba l'qaw wahed til li tibin anna hunaka shay gharib f ras diallo. Il s'agissait en effet d'un crayon de papier d'environ 7 cm. قالوا في الرأس ديالو قلم للطول ديالو 7 سنتيمتر. Le jeune afghan, le jeune homme de 24 ans n'a pas pu donner d'explication exacte à la présence du crayon dans sa tête. يعني ما قدرش يعطيهم شي تبرير لوجود القلم في رأسه. Mais s'est souvenu, يعني تذكر, avoir trébuché à l'école 15 ans auparavant et avoir alors saigné du nez. قال لهم بلا كان تعطر في المدرسه 15 عام قبل، وكان تيرعف بالنيف ديالو، يعني تيخرج ليه الدم من النيف ديالو. L'intervention s'est déroulée en 2011, mais le cas n'a été présenté et révélé qu'en début de la semaine lors d'un congrès médical à Essen en Allemagne. راه مينا العملية دارت في 2011، واني ما تعلن عليها حتى السيمانة او الاسبوع الاخير في اطار مؤتمر طبي في ايسان المانيا. بيان سو تيكست ايتيل ان ايديتو ان في ديفير اون انترفيو سيتان في ديفير. Entoure la bonne réponse, Aya. Justifiez ta réponse. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'il répond aux questions qui, quoi, où, comment, etc. Il y a la justification. Elle répond. Il répond aux questions. Elle répond aux questions. Qui, quoi, quand, etc. Donc les questions, tu connais le fil divers. Bien. Complète le tableau suivant en te référant au texte. Qui, un jeune afghan. نسيت تقول لي راه ما تبينش الكتابه، سمعوا الهضره ديالي. ان جون افغان او يعني فين وقع الحدث، لا كلينيك
universitaire. Terre. Aix-la-Chapelle. Aïe, le texte. Ma fin ouqa al-hadad. Quoi? À votre avis? Le hadith le un crayon de 7 cm dans le crâne d'un jeune. هو الحدث المهم كومون ان باسون بار او بيان او سكانر. En passant au scanner, il y a une fin de la phrase. En passant au scanner, les médecins ont dissimulé la présence. Telle est Nadia la réponse. Donne un titre ou bien donne un titre au texte. Oui, on va la mettre ici. Un crayon de 7 cm dans le crâne d'un patient. Hada wahed l'unwan li ghadi atirina. Le lecteur. Un crayon de 7 cm dans le crâne d'un patient. Bien. Que penses-tu de cet événement? Animada, finadarika. Madame taqul an hada al-hadath. C'est un événement rare. Yani nadir, parce que on ne peut pas voir un crayon dans un crâne tous les jours. C'est un événement très rare, nadir, لأنه لا يمكن أن نرى كل يوم قلما داخل دماغ الشخص. وبهذا غادي نكون سالينا لو سيبور Numéro 2. Dozo, le domaine 2, langue et communication. Tu formules trois phrases interrogatives, portant chacune sur l'un des éléments soulignés dans la phrase. A dit la phrase, un jeune Afghan a subi une opération menée par des chirurgiens allemands. Bien. Donc la première question sera, qui a subi une surprenante opération menée par des chirurgiens allemands. Donc, qui a subi la question de Loula Alèche? Elle a un jeune Afghan. Un jeune Afghan, Bangolo, qui a subi une surprenante opération. Pour la deuxième question, l'effet, elle a une surprenante opération
Un jeune afghan a subi quoi? Il a subi quoi? La troisième, le jeune afghan a subi une surprenante opération par qui? Menée par qui? Menée par qui? Un jeune afghan a subi une surprenante opération menée par des chirurgiens allemands. Je vois. D'où l'a fait à qui a subi? Tanya. A subi quoi? Delta. Menée par qui? Deuxième la question. Deux. Tu observes les verbes soulignés dans le support et tu complètes le tableau suivant. Un verbe, temps, mode, infinitif. Les verbes lekeninoma, a subi, en dissolé, s'est déroulé. Kulum kinifesh, le passé composé. Les voit le temps à le fait divers. Passé composé. Le mode, l'indicatif. Kulum fle, l'indicatif. L'infinitif, elle n'a a subi, subir, verbe du deuxième groupe, dissolé, verbe du premier groupe, on a se dérouler, verbe pronominal. Bien. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Le jeune afghan, a eu. Le verbe avoir au passé composé. A eu, le jeune afghan a eu un accident étrange. Tombé. Elle est tombée. Elle est tombée. Tombé, mais les verbes étaient conjugués au bloc auxiliaire être. Elle est tombée. Sur un crayon qui s'est installé, verbe pronominal se conjugue avec l'auxiliaire être, qui s'est installé dans son crâne. Quatrième question. Relève deux phrases à la voix passive et transforme-les à la voix active. Les phrases likinina, une surprenante opération menée par des chirurgiens allemands. Le cas n'a été présenté et révélé qu'en début de la semaine. Qu'est-ce le texte? Adoma les deux phrases. Qu'est-ce que le Bien. Nous la voix passive. On a mené. Une opération est menée par est menée à le temps. Le verbe être. Des chirurgiens mènent une surprenante opération. C'est-à-dire la phrase de l'oula. Des chirurgiens mènent une surprenante opération. Tania. Et là, on la parole à Waldo, le pronom en. On n'a pas présenté et on n'a pas révélé le cas qu'au début de la semaine. On n'a pas présenté et on n'a pas révélé le cas qu'au début de la semaine. L'auxiliaire être qui est le passé composé. Donc le verbe, le passé composé, il est là. A présenté, a révélé. Maintenant, la négation. On n'a pas présenté et on n'a pas révélé le cas qu'en début de la semaine. Mais cinquième question. Je suis couché à l'arbre, la voix passive ou la voix active. Les élèves du collège Épéreil interviewent le maire de la ville. Il y a le verbe interview qui est au présent.
Donc, vous voulez dire le verbe être au présent, ou bien le verbe ou le sujet, le complément d'agent. Mais dans la phrase, il y a le maire de la ville est interviewé par les élèves du collège Épéré. Tu m'as dit quelque chose là, le verbe être. Le maire de la ville et là, je donne le verbe être présent parce que la phrase les la voix active, elle a le verbe le présent et interviewé par les élèves du collège Épéré. La même chose pour la deuxième phrase. Elle a le verbe qui est le passé composé, il y a le verbe être au passé composé. Le jeune Afghan a été opéré par les chirurgiens. Bien. La sixième question. Je pense que vous, les enfants de la classe d'accueil, par exemple, vous êtes en chance pour la France de demain. La consigne. La consigne A. Relève l'acte de parole exprimé dans cette phrase et l'expression employée. Je dois l'acte nawa exprimer une idée. Je vais faire l'acte de parole exprimer une idée. L'expression l'imstamennaya, je pense que. L'expression je pense que bien. B, formule de phrase où tu exprimes des idées relatives au rôle joué par l'Internet dans la vie des jeunes, droits des enfants. L'expression d'une idée. La première phrase radite qu'on fait A. Je pense que Internet va jouer un rôle très important dans la vie des jeunes. La deuxième phrase, l'NFA, droit des enfants à la scolarisation. Je doute que vous puissiez, c'est le subjonctif, je doute que vous puissiez ignorer le droit de le droit à la scolarisation des enfants. Le domaine 3, en effet, expression écrite. How le job il a fait. Bouhdkom. Ou le cas de chute, c'est un léchi mouchkil. La dernière sur la vidéo, khas bouhda. Ça fait. Merci beaucoup. Et à la prochaine, Inch'Allah.